Yo les Roosters, nouvelle vidéo autour du PPL aujourd'hui. Et aujourd'hui on est parti pour le troisième jour, le jour des jambes, 6 modules d'exercice. Let's go. On commence cette séance avec le premier exercice. On parle de jambes, donc évidemment on parle de squat. On est parti pour 4 séries de 8 à 10 répétitions en force au squat, c'est parti. Ouais, c'est terminé pour les 4 séries de 10 répétitions. On passe à l'exercice numéro 2. On prend 75% du poids de travail juste précédemment. Et on est parti pour du post squat. Let's go. Vous faites 4 séries de post squat, 5 reps à chaque fois, et quand vous êtes en pause tout en bas du mouvement, vous allez rester minimum 3 secondes. Let's go. Et pour ce troisième exercice, on attaque la leg press. On est parti pour 60 reps, 5 séries de 12 répétitions. On y go, let's go! Et on en a terminé avec ce troisième exercice, les 5 séries de leg press. On est parti pour la deuxième partie d'entraînement, donc moins lourd, plus de volume. Let's go. Donc on est parti pour ce quatrième exercice et deuxième partie de la séance. On va chercher un petit peu plus de volume. On commence avec des fentes, on fait 10 reps de la jambe droite, puis 10 reps de la jambe gauche. Et pour le poids, on prend 50% du poids du squat qu'on a fait en exercice 1. Et cela pour 10 répétitions, 10 répétitions. Let's go. Cinquième module d'exercice de cet entraînement, on est parti pour une superset. On superset deux exercices, le leg curl en 1, en 2, on est parti pour la presse horizontale, pieds serrés. Let's go.
Et pour suivre le nombre de reps, on est parti pour 12 à 15 répétitions en leg curl et 15 à 20 répétitions en presse horizontale. On a terminé avec ce cinquième module d'exercice, on est parti pour le dernier, toujours travail des ischios jambiers et des mollets, on termine en beauté, let's go. Et on est enfin au sixième et dernier module d'exercice de la séance, on retape encore dans les ischios et on va target aussi les mollets, c'est parti avec du Romanian deadlift et du calf extension, allez. Pour le nombre de reps, on va chercher 15 reps pour ce qui est du Romanian deadlift et 20 reps pour les extensions au mollet. On garde le même poids pour les deux exercices. Comme moi. Donc voilà, c'est terminé pour ce leg day. On aura bien atomisé les cuisses, les jambes et les fessiers. J'espère que cette vidéo d'entraînement vous aura plu. C'est de nouveau maintenant complet, push pull leg. À vous de vous en inspirer pour votre propre VL. On se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Et merci pour le soutien les gars. Ciao, ciao.